This is the story of one more denizen of your city. Cool. Somebody you don't care about or identify with. You don't give a shit. Check it. Jacqueline Rabot-Mussion, galériste à Paris. Je représente, je suis très intéressée par la culture russe, ou de l'Est tout au moins, entre autres. Et dans cette exposition, j'ai fait des relations entre les artistes vivant sur leur sol d'origine et les émigrés, qu'ils soient des États-Unis ou qu'ils soient émigrés en Europe. Et c'est un langage qui est très enrichi, bien entendu, par les différences d'intervention artistique. Les œuvres, leurs représentations ne sont pas les mêmes pour les gens qui sont restés en Russie et ceux qui ont pris la décision d'émigrer. C'est un plus pour certains, moins pour d'autres. On le voit 20 ans après la chute du mur. On est à la phase de l'analyse aujourd'hui. Donc c'est ça qui m'a beaucoup passionnée, parce que les 10 dernières années qui ont suivi la chute des idéologies, il est évident que ça a été un trou noir en fait. Et personne ne savait plus quels étaient les repères, puisque tous leurs repères s'écroulaient si vite. Ça n'avait pas vraiment été préparé. Et c'est pour ça que ça a été très chaotique. Et c'est ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, de montrer toute cette évolution. Nous préparons d'ailleurs, avec une maison d'édition, un livre sur les 30 dernières années de l'évolution de ces sensibilités. Et le langage qui demeure très politique encore aujourd'hui. Je suis allée il y a en 97 à Moscou pour la première fois. Je connaissais tous les pays satellites, mais je ne connaissais pas la Russie. Et quand je suis arrivée en Russie, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fascinée et qui avait un propos très engagé et qui combattait un peu l'animalité qu'il avait en lui, peut-être, à ce moment-là. Et il est intervenu d'une façon très très forte en Europe, à Zurich, où il y avait une grande exposition sur les artistes de l'Est, et il n'y avait pas été invité, alors que c'est véritablement un chef de file, un grand intellectuel et très sensible, un grand Tolstoïen. Et il s'est dit, eh bien, cette exposition importante des gens de l'Est qui s'inscrivent ici pour la première fois à l'Ouest, il faut qu'il y ait comme un électrochoc. Il faut que les gens se rendent compte et s'imaginent que ces œuvres qu'ils viennent voir pour le plaisir, pour leur plaisir bien entendu, mais il faut qu'ils se rendent compte qu'elles sont nées dans beaucoup de douleurs. Alors, il va falloir qu'on provoque un scandale. Et il s'est mis en chien, puisque c'est un homme chien à ce moment-là, puisque aussi la population avait peut-être été menée comme un élevage. Quand on parle des appartements communautaires, etc., ça n'était pas si idyllique que cela. Il y avait des choses qui n'étaient pas mal, mais il y avait aussi beaucoup de choses difficiles à vivre. Donc, tout avait été très conditionné, donc tout était uniquement pour le parti. Donc, il ne fallait pas trop penser. Si on pensait trop, c'était pas forcément bien. Alors, il s'est matérialisé en chien et il s'est mis devant le lieu de cette exposition et il a mordu un conservateur. Et là, il s'est fait fermer toutes les portes des musées européens. Sauf quelques conservateurs, mais intellectuels aussi, qui ont bien senti l'importance du propos et qui est resté sous-jacent longtemps, qui aujourd'hui est en train de fleurir. Aujourd'hui, il continue à créer. Parce qu'il y a eu une grosse production au moment de la chute du mur. Et une énorme production, forcément. Tout le travail qui était réalisé underground,
ne pouvaient pas être libérés. Et là, on a vu une quantité de production incroyable. Mais ce qui était important, c'était de voir avec le temps ce que ça devenait finalement, les œuvres de chaque artiste. Donc, où on est très déçu parce que ça a été le temps d'un moment et que tout a été dit pour certains artistes, puis d'autres qui ont une fibre créative très très intense, comme l'Amoureuse souvent, ce sont quand même de grands romantiques qui vont qui se construisent dans l'excès aussi, et c'est dans cet excès que les œuvres se trouvent souvent. Je montre dans cette exposition une œuvre qui n'avait jamais été montrée en Europe, mais que j'avais vue dans la rétrospective de Lekulik à Moscou, et qui s'appelle Dovgoutel. C'est une histoire de linguistique, c'est une histoire de chien, c'est comme un chenil, mais pour animal abandonné. Mais l'animal, là, est un homme qui est dans une cage, dans 20 cages différentes, avec tous les états d'âme qu'on peut avoir par le cri du chien. Et c'est extrêmement impressionnant. C'est une chose qu'on n'oublie pas. On y entre. C'est un lieu de 10 mètres de long, 3 mètres de large, des cases d'un mètre. Donc nous n'avons pas beaucoup. C'est un petit couloir de 10 mètres. Nous avons du mal à nous faufiler. Et tous ces cris de chiens, avec tous leurs états d'âme, en même temps, et avec cet homme qui a un visage extrêmement lié au cri, à la force du cri selon son état d'âme, je pourrais dire, c'est extrêmement impressionnant. On a du mal à s'en sortir indemne. On voit vite le bout du tunnel, on s'en sort physiquement, mais on ne s'en sort pas psychologiquement. Tellement c'est intense. Alors ça ne se raconte pas avec des mots, c'est très difficile, les mots sont très fades par rapport à ce que l'on ressent. Et je crois que ça s'inscrit comme ça dans le silence. Alors, il est bien évident que c'est une œuvre institutionnelle, on ne pense pas à vendre une œuvre comme ça, parce que c'est une œuvre qui comptera beaucoup dans le parcours de cet artiste. Donc, en effet, je souhaite la vendre ou dans une collection importante, qui aura donc sa place dans la chronologie de la représentation de cet artiste, mais c'est une œuvre qui doit être, je dirais, livrée au public. Là, un large public d'une institution. Je pense que c'est sa dimension. Car les conservateurs savent quand même regarder. Makeup in your beautiful eyes. All of you is wrapped up so tight in your clothes and eyes and things and lies. You're